Bonjour à toutes et tous. Voici en quelques mots ce que cet ange peut nous accorder et ensuite la prière à cet ange. L'ange numéro 55, Mébaya. Mébaya souhaite que l'intellect, la pensée de ses protégés soit au service de la vérité et de quelques projets importants. Et dans ces cas, rien n'est impossible en lui adressant sa prière ou en l'invoquant. Vous pouvez invoquer Mébaya si vous souhaitez vous corriger sur le plan collectif. Vous pouvez ainsi mieux vous adapter. Votre ange gardien peut vous offrir une vie aisée et paisible. Vos idées redeviendront plus claires en invoquant Mébaya. L'amour est également à son paroxysme si vous contactez Mébaya, puisqu'il transforme toute chose belle et communique son amour au plus grand nombre. Si vous êtes timide ou que vous avez des problèmes d'éloquence, votre ange gardien vous apprend la qualité des mots ainsi que leur force. Il accorde la fécondité pour les personnes souhaitant tomber enceinte, la force à surmonter toute épreuve de la vie, l'éloquence pour les personnes qui doivent convaincre par la parole, la bienveillance et la compréhension. Prière à l'ange Mébaya. Cher ange Mébaya, toi qui insuffles en chacun de nous la lucidité, la morale et l'inspiration, me voilà te lançant ici et maintenant un appel. Puisse ma voix résonner jusqu'à toi. Que mon esprit soit dissipé des doutes et des craintes. Que les excès laissent place à une plus grande lucidité et sagesse. Détourne-moi des excès de l'orgueil et de l'ego. Éclaire-moi en me montrant le juste chemin. Ange Mébaya, par toi, on peut réussir les grandes comme les petites choses. Aide-moi à avancer vers le succès. Merci avec toute ma gratitude et mon amour. Que l'amour et la lumière guident chacun de mes pas.